Shalom, 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 chers tous. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Chers tous, je voulais vous parler de cette fameuse histoire de la chaparcelle de l'église Sacrée Chapelle de Dieu. Notre église fait au moins 3 à 4 ans où il passe des moments très difficiles, de persécution, parce que nous sommes des locataires, nous subissons tellement des oppressions. Et nous n'arrivons pas à propager le message de l'Éternel comme il faut la propager. Alors, nous avons lancé cette opération 1 $, quelque chose insignifiante pour toi, 1 $, 1 €, 2300 francs congolais, quelque chose insignifiante par rapport à tes ressources. Je sais que tu es tellement béni par Dieu. Dieu est merveilleux. Bien aimé, cette contribution de 1 $, nous le ferons tous les jours de nos cultes. Nous avons un culte mercredi, nous avons un culte vendredi, nous avons un culte jeudi, ainsi qu'un culte de dimanche. Tous ces cultes-là, nous avons besoin qu'il y ait ton apport de 1 $, 1 € ou 2000 francs congolais. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Je peux acheter une parcelle pour mon Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Merci beaucoup, bien-aimé. Asante sana wapendwa. Commençons notre message. Tunazungumzia kwa ajili ya mada yetu. Durant les deux premiers jours. Kwa siku hiyo mbili iliyopita. Nous étions fortement bénis. Tulibarikiwa sana. Par un enseignement. Kwa mada flani. Parlant de la sorcellerie. Iliyozungumzia kwa ajili ya uchawi. Et nous avons révélé le secret de la sorcellerie inconsciente. Tulionyesha siri za uchawi wa bila kujitambua. Comment les sorciers. Comment une personne namna, est utilisée dans la sorcellerie inconsciente. Namna gani mtu anaweza kutumikishwa ndani ya hiyo uchawi usiotambulika. Et nous avons aussi donné des signes. Tulionyesha mifano mbalimbali. Des signes qui prouvent qu'une personne est dans la sorcellerie. Et ilionyesha kwamba huyu mtu anapatikana ndani ya uchawi. J'ai donné avec plus de détails. Nilitoa hata maelekezo mengi. Je crois que la conscience de tout le monde. Ninadhani dhamiri ya kila mmoja wetu. A été ramené dans la présence de Dieu. Il est rude hata karibu na Bwana tena. Et chacun de nous a pris une résolution personnelle. Na kila mmoja wetu alikamata hatua de redresser sa conduite. Aongoze tena mwenendo wake. De rester fidèle au Seigneur. Abaki tena na ukamilifu ndani ya Bwana. Et de faire que la volonté de Dieu. Afanye mapenzi ya Bwana tu. C'était un moment magnifique. Ilikuwa muda mmoja wa ajabu. Alors aujourd'hui, sasa leo, je vais vous parler d'un témoignage. Nilipenda kuwazungumzia kwa ajili ya ushuhuda fulani. Un témoignage. Ushuhuda fulani. Et je crois que ça va beaucoup nous bénir. Et nadhani itawabariki sana. Et ce témoignage. Na hiyo ushuhuda. C'est 23 heures dans le royaume satanique. Saa 23 kwa ulimwengu wa zimu. 23 heures dans le royaume satanique. Saa 23 ndani ya ulimwengu wa zimu. Kuzimu, asante. Dans le royaume satanique. Kuzimu. Un monde. J'avais expliqué hier. Nilifasiria jana. Que Satan le diable s'est organisé. Shetani ibilisi aliandaa. Il a organisé son royaume. Aliandaa hiyo falme yake. Son objectif principal c'est de combattre l'église de Dieu. Acha yake kubwa ni kukupiganisha kanisa la Bwana. De Corinthiens chapitre 2 verset 11. Wa Korinto wa pili 11 mstari. De Corinthiens chapitre 2 verset 11. Wa Korinto wa pili sura wa pili mstari wa 11. Corinthiens chapitre 2 verset 11. Wa Korinto wa pili sura ya pili mstari wa 11. Asante. Lise pasteur. Shetani asije akapata kutushinda kwa maana atukosi kuzijua fikira zake neno la Bwana. Amen. La Bible dit afin de ne pas laisser Satan d'avoir l'avantage sur nous.
Biblia inatuambia ya kwamba tusiache shetani apate uwezo kwa ajili yetu. Depuis sa chute au ciel. Wakati alitupwa huko mbinguni, le royaume de Satan s'est beaucoup renforcé. Hiyo ulimwengu wa shetani ilizidi tena kukaza. Il s'est tellement renforcé. Alikaza tena hiyo ulimwengu wake. Dans une position dominateur. Awe mahali panyana kamata kila kitu. Dans une plutôt position dominatrice. Na kwa hiyo aja kuelekea kila mtu. Il a arrangé son royaume. Aka fanya hiyo ufalme wake. Par les anges déchus. Na hao malaika waliotupwa. Et aussi par des démons. Na hawa mapepo. Ben ce qui a rendu son royaume vital. Na ile kitu iliyoleta hata nguvu kwa hiyo ufalme wake. C'est l'enrôlement des habitants de la terre. Na wakati alianza anza kukokota wanadamu waingie ndani ya hiyo huduma wake. Enrôlé, wakati watu waliingia ndani ya falme yake, le royaume de Satan s'est beaucoup renforcé. Hapo sasa hiyo falme wake ulizidi tena kukaza. De plus en plus cruel. Akazidi tena kuwa mwovu sana. Dans l'objectivité de renverser la terre. Kwa ajili ya kushika dunia. Alors, je dis que son royaume. Nilisema tena hiyo falme zake. Est une ramification. Ni vitu pour défier le royaume des cieux. Kwa kupinga ulimwengu wa Mungu. Il est tellement déterminé. Hana haja ya kupiga vita sana. Il prend les habitants de la terre. Anachukua watu wa dunia. Il le met à sa suite. Anawatia miongoni mwake. Il les utilise. Anawatumikisha. Et majorité ne sont pas conscients. Na wengi miongoni yao hawajitambui. Et il y a une force. Na tunajua ya kwamba kuna uwezo fulani. Une force manipulatrice. Uwezo fulani inayo manipule. Nguvu nao watumia. Qui les entraîne dans l'ignorance. Iyo inaofunga macho yao wasioni. Depuis des années Satan est au contrôle. Tokea miaka kadhaa shetani anazidi tena kuongoza. Au commande. Anazidi tena kukamata hiyo madaraka ya maongozi. En train de diriger. Anaongoza tena. En train de contrôler. Anazidi tena kuongoza. En train de détruire les hommes. Anazidi tena kuharibu wanadamu. Écoutez aujourd'hui le témoignage. Sikiliza leo hiyo ushuhuda. Écoutez l'histoire. Sikiliza hiyo historia. Le témoignage que je veux partager ce soir avec vous. Ushuhuda ninapenda kuongea na nyinyi leo. C'est une expérience. Ni hiyo vitu niliyoishi. Vécu depuis l'année 2016. Tokea miaka 16 ama 2016 jusqu'à 2022. 2016 paka 2022. Vous devez savoir que cette expérience couvrait une période de cette année. Ah hiyo mambo ilikamata muda wa miaka. Une longue période qui sera marquée par des expériences instructives. Na hiyo ilikamata hata ikanipatia somo kubwa kwa ajili ya watu. Cette expérience va changer ma façon de voir les choses. Na hiyo mambo iliacha nijue namna gani ya kuelekeza tena maisha yangu. Ce fut en 2016. Ilikuwa mwaka 2016. Un jour comme tous les jours. Ilikuwa siku kawaida kama siku zote. Ce jour-là. Hiyo siku. Je me suis réveillé. Nikaamka. C'était le 15 juillet 2016. Ilikuwa siku 15 Julai mwaka 2019. J'ai passé la moitié de la journée en train de lire. Nilipitiza muda wangu nikasoma Biblia. En train d'écrire. Niandika. Tellement que j'avais beaucoup travaillé. Wakati nilitumika sana. J'étais un peu fatigué le soir. Hata nikachoka. J'étais un peu fatigué. Nilikuwa nimechoka. Le soir arriva. Hiyo jioni kafika. Le moment même d'aller se coucher. Ikafika muda wa kwenda kupumzika. Étant fatigué, je me suis dirigé dans la chambre. Wakati nimechoka nikaenda chumbani mwangu. Il n'y avait pas de courant ce jour-là. Umeme haukukua hapo siku hiyo. C'était un bon jour. Ilikuwa siku nzuri. Je ne doutais pas que ce jour-là. Sikuwahi kujua ya kwamba allait être si différent. Kama itakuwa siku yeye tofauti na siku zingine. Que je serai témoin d'une expérience. Kama mtakuwa mteu ama mtakuwa mshuhuda jambo fulani. Bouleversera ma façon de voir les choses. Itabadilisha hata namna yangu ya kuona vitu vya dunia. Je me suis dirigé sur ma couche. Nikaenda kitandani mwangu.
alors que je me reposais, wakati nimejilaza hapo, au bout d'un moment, munda punde kidogo, je sentis au fond de moi, nikasikia ndani mwangu, comme si une force était en train de m'étouffer. Ah, kulikuwa kama kitu kinachozuia nisipumue vizuri. Je sentais l'agitation à l'intérieur de mon être. Nikasikia kama mwili unakuwa unapata changamoto, usikusikia vizuri tena sana kwani pumuzi umekuwa kama inakatika. Mon esprit s'agitait au-dedans de moi-même. Hata roho yangu ndani ikazidi tena kutikisika ndani mwangu. Je sentais comme si je m'étouffais. Nikasikiliza kama sipumue tena vizuri. Sous cette agitation, chini ya hiyo jambo, alors que je tentais de me débarrasser de ce que je ressentais, nikatafuta namna gani nijitoe ndani ya hiyo jambo, je sentais vraiment que j'avais des malaises. Nikasikia kweli nina vitu visiokamilika ndani mwangu. Ça n'allait pas. Haiviendeki vizuri. Si longtemps que j'étais agité. Wakati nilizidi tena kukua, c'est comme piganisha. Mon âme militait avec mon esprit. Ilikuwa kama roho yangu ilikuwa napiganishwa na mwili wangu. Tout se passait au dedans de moi. Vyote vimepitikana ndani mwangu. Alors après quelques secondes, punde kidogo, j'attendis au ciel. Nikasikia huko mbinguni le son des trompettes. Nikasikia tarumbeta zimepiga. Les sons des trompettes. Tarumbeta zikapiga. Qui résonnaient fortement. Ikalia sana kwa sauti kubwa. Qui résonnait fortement. Il y a quoi ça tu coupes. Maintenant, quand je fixais les regards pour voir, wakati nilitaka kutamani kutazama, c'était comme si il n'y avait plus de toit de la maison. Kama paji, il n'y avait plus la toiture. Haikuwa tena. Mes yeux pouvaient voir jusqu'au ciel. Hapo macho yangu ilipata kuona hata mbinguni. Je ne savais pas que ce que je voyais était spirituel. Sikuwahi kujua ya kwamba mambo ninayotazama ni kiroho. Directement, je vis au ciel. Gafla, je vis une météorite. Nikaona kitu kimoja huko angani. Je regardais le ciel. Nikatazama huko mbinguni. Je vis une turbine sortant du ciel. Nikaona mlango mfulani umefunguka huko. Quand cette turbine est sortie du ciel. Wakati yo mlango umefungukia huko. En effet, la turbine était comme une ouverture. Hiyo mlango ilikuwa kama kitu kinakuwa wazi. Une porte au ciel. Kama lango inakuwa mbinguni. La porte était grandement ouverte. Ilifunguliwa kwa ukubwa wake. La porte là, c'est ce que dans la Bible on appelle les écluses. Niyo lango wanaoita, anasema ni madirisha za mbingu. Nous pouvons voir dans les livres de Malachie. Tusome kitabu cha Malaki. Malaki. Malachi chapitre Malaki tatu. Malachi chapitre 3. Malaki tatu. Verset 10. Mustari wake wa 10. Malachi chapitre 3 verset 10. Malaki tatu mustari wake wa 10. Leteni zaka kamili galani ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi. Mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwangieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Neno la Bwana. Voilà, et la partie qui m'intéresse. Ah, kipindi kinani usika na mimi. Et vous verrez si je n'ouvre pas les églises des cieux. Na kama mtaona nimefungua madirisha ya mbinguni. Alors maintenant, c'était une ouverture du ciel. Ilikuwa dirisha ya mbingu iliyofunguliwa. Et pendant que je regardais dans cette ouverture, wakati nilitazama kwa hiyo dirisha, je vis sept anges sortir. Nikaona wa malaika saba wanatoka kwa hiyo njia. Quand les sept anges sortir, wakati wa malaika saba walitokea, ils formèrent un cercle. Wakakuwa wakazunguka, wakafanya mzunguko. Ils formèrent un cercle. Wakafanya mzunguko. Ils chantaient. Walikuwa naimba.
ils chantaient un cantique. Walikuwa na imba nyimbo fulani. Le temps est fini. Wakati umekwisha. L'église dort encore. Kanisa limelala tena. Où sont mes serviteurs? Wapi watumishi wangu? Pourquoi l'église dort encore? Namna gani kanisa linalala tena? Ils chantaient, ils tournaient. Waliimba na wakazunguzunguka. Ils chantaient à rond. Waliumba waliimba wakakuwa kwa hiyo kizunguko. Il répétait la même chanson. Wakarudilia hiyo vitu hiyo mambo. Le temps touche à sa fin. Wakati umefika mwisho. Pourquoi l'église dort encore? Kwa nini kanisa imelala imezidi kulala? Le temps touche à sa fin. Wakati umekwisha. Où sont mes serviteurs? Watumishi wangu wapo wapi? Pourquoi l'église dort encore? Kwa nini kanisa imelala? Ces anges là dansaient en tournant. Hawa malaika walizidi cheza na kuzunguka. Il dansait en rond. Walicheza na wakazunguka tu. Répétait les mêmes paroles. Wakarudilia hiyo mambo. Que le temps touche à sa fin. Anasema muda umekwisha. Pourquoi l'église dort? Kwa nini kanisa imelala? Où sont mes serviteurs? Watumishi wangu wipo wapi? L'heure est déjà finie. Wakati umekwisha. Pourquoi l'église dort encore? Kwa nini kanisa imelala? Amen. Amen. Pourquoi l'église dort encore? Kwa nini kanisa imelala? Pendant que moi j'étais couché sur ma chambre. Oui, wakati mimi nimelazwa, nimejilaza chumbani mwangu. Et mes yeux étaient fixés en regardant le ciel. Macho yangu ilizidi tu kuangalia mbinguni. Mon esprit était secoué à l'intérieur. Hata hiyo roho yangu ilizidi tena kutikisika ndani mwangu. Tous les sept anges rayonnaient une forte lumière scintillante. Hata hao malaika walikuwa na nuru kubwa sana. Et aussitôt ils déployèrent leurs ailes. Wakapiga mabawa zao. Et les agitaient dans les airs. Walikuwa naipiga hapo angani tu. Chacun de ces anges, de cet ange, kila mmoja hiyo malaika saba, tenait à la fois une trompette et une balance. Alikuwa anachukua hiyo tarumbeta na mezali. Alors il continue à chanter cette cantique. Walizidi tena kuimba hiyo nyimbo. Le temps touche à sa fin. Muda umefika umekwisha. Mais l'église dort encore. Ila kanisa imelala tu. Où sont mes serviteurs? Watumishi wangu wapo wapi? Pourquoi l'épouse n'est-elle pas prête? Kwa nini huyo bibi arusi hajakuwa tayari? Quel malheur. Laana gani? Alors pendant qu'elle chantait, wakati walizidi kuimba, la puissance que dégageait leur cantique. Hiyo uwepo, hiyo nguvu iliyotoka ndani ya hiyo nyimbo, détacha directement mon esprit de mon corps. Ikaondoa roho yangu ndani ya mwili wangu. Quand cela me détacha de mon corps, wakati imeniondoa ndani ya mwili wangu, dans la position allongée, na wakati nimejilaza, je me voyais aller au ciel. Nikajiona kupanda mbinguni. Je montais au ciel. Nikapanda mbinguni. Et pendant que je montais au ciel, wakati nilipopanda mbinguni, je voyais sur mon chemin, nikaona njiani mwangu, c'est comme si dans mon corps j'avais des chaînes. Kama mwili ni mwangu kuna hiyo minyororo, et les chaînes là tombaient. Hiyo minyororo ikazidi kuanguka. En fait, c'est l'état spirituel de tout homme. Aya ni namna ya kiroho ya kila mwanadamu. Chaque fois en toi tu as un péché, mtu wote ana dhambi fulani. La Bible nous dit de se débarrasser des péchés qui nous couvrent si facilement. Biblia inasema tuachane na dhambi nao tusonga sana. Hébreux chapitre 12. Wa Ibrania 12. Wa Ibrania 12. Hébreux chapitre 12. Verset 1. Tunasoma kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Basi na sisi pia kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Neno la Bwana. Le péché c'est comme des chaînes. Dambi ni kama minyororo. Viens, on va illustrer avec toi. Kuja tuoneshe hiyo jambo. Njoo bwana, njoo. Come. Trouve-moi juste je sais pas fil, un fil, chose comme ça. Bon, prends juste le microphone. OK, mom. God bless you, mom. Yes. Ok. Regarde.
Chaque fois nous commettons un péché, wakati tumetenda dhambi fulani, nous nous lions nous-mêmes. Tunajifunga sisi wenyewe. J'ai un conflit avec quelqu'un. Nina kosa uhusiano na mtu fulani. Spirituellement, namna ya kiroho, je suis lié comme ça. Nimezidi kujifunga. J'ai une rancune avec quelqu'un. Nina chuki na mtu fulani. Inazidi tena kunifunga. J'ai la colère avec quelqu'un. Nina kasira na mtu fulani. Lentement. Slowly, slowly. Pole pole, wende taratibu. Slowly. Asante. Okay. Je la colère contre quelqu'un. Nina kasira ni kwa ajili ya mtu fulani. Lui vraiment ce qu'il a fait là. Oui, mtu mambo aliyofanya. Moi et lui on va pas plus. Ah, tuzungumza tena bwana. On ne parlera plus jusqu'à la mort. Ah, paka kifo, huyu mtu tunaachana naye. Le péché. Hiyo tena inazidi tena kukusonga. Après, kisha tena. Tu as promis à tes enfants. Ulipatia ahadi watoto wako. Je vais vous acheter quelque chose. Nitawanunulia kitu fulani. Tu n'as pas tenu ta promesse. Au kuja na hiyo jambo leo laga watoto. Sateli encore. Wana kufunga tena. Après encore. Kisha tena. Tu commets l'impudicité. Oh, ulifanya uzinzi. Ça te lie encore. Inakufunga tena. Alors, marche. Tembea sasa. Tembea. C'est l'état spirituel. Hiyo ni hali ya kiroho. Plusieurs chrétiens n'avancent pas. Wa Kristo wengi hawaendelee. Non pas parce que Dieu ne veut pas faire du bien à leur vie. Sio kama Mungu apende kutenda mambo mazuri. Mais même se sont rendus des esclaves. Wao penye wenyewe walijitia watumwa. Le péché est un lien. Zambi ni kifungo. Chaque fois que tu commets un péché, wakati unatenda dhambi fulani, tu te lis spirituellement. Umejifunga kiroho. Mais ila si tu commets le péché sexuel, kama unatenda dhambi ya uzinzi, écoutez-moi bien, le péché sexuel, la dhambi ya uzinzi, tu perds les vêtements, unaondoa mavazi mwilini mwako. Je ne peux pas illustrer, hein? Hapo sita wafasiria, kwani nikamuondoa mavazi itakuwa changamoto. Alléluia. Mais si tu commets l'impudicité, kama unafanya dhambi ya uzinzi, la Bible dit d'autres péchés. Biblia inasema dhambi zingine iko nje ya mwili. Mais c'est lui qui commet l'impudicité. Huyu anayetenda uzinzi pêche contre son propre corps. Amefanya dhambi kwa ajili ya mwili wake. C'est qui tue le ministère. Kitu kinatoa huduma. C'est qui empêche beaucoup de gens d'aller loin dans l'œuvre de Dieu. Watu wanaoenda mbali na uwepo wa Bwana. C'est le sexe. Ni hiyo kitu tendo la ndoa. Le péché du sexe. Hiyo tendo la ndoa inaondoa mavazi kiroho. Tu perds ce que Dieu avait mis en toi. Unaondoa kitu chenye Mungu alitia ndani mwako. Le plus grand coupable dans cette affaire c'est toi-même. Mtu anayekusika sana na hiyo jambo ni wewe mwenyewe. Quand tu commets le péché du sexe, kama unatenda dhambi ya uzinzi, jeune frère, ndugu wa kijana, serviteur servante, watungaji na watu wa si tu veux aller loin na l'œuvre de Dieu, kama unatamani uende mbali sana na Bwana, ton ennemi principal c'est le sexe. Adui wako wa kwanza ni hiyo kitendo cha ndoa. C'est d'abord le sexe. Ni kwanza ni hiyo. Tu perdras l'onction. Utapoteza upako. Tu perdras les dons de Dieu. Utapoteza karama. Ça va étouffer tes dons de la prophétie. Ita tazidisha kufunga hiyo unabii wako. Hautakuwa na uoga wa Mungu. Le péché du sexe. Hiyo dhambi za uzinzi. Doit être confessé. Inabidi kuitubu. Trouver un pasteur. Tafuta mchungaji. Confesse cela. Waende ukatubu hiyo dhambi. La vie de plusieurs aujourd'hui dans le ministère. Watu wengi ndani ya huduma ne volie pas à cause du sexe. Aiendelee kwa ajili ya hiyo tendo la ndoa. Le sexe a tué les jeunes frères aujourd'hui. Hiyo uzinzi umeharibu wa vijana wengi na wasichana. À cause de cela. Hata huduma wengi umeharibika kwa ajili ya hiyo jambo. Fatal utilisé par des sorciers. Ni silaha kubwa ya ajabu shetani anaitumikisha. Il veut finir avec toi. Kama unapenda kumalizana na wewe, ils vont t'envoyer leur agent. Atakutumia mtu kama huyu. Tu vas perdre ce que Dieu a mis en toi. Ataondoa kitu Mungu alitia ndani mwako. Tu sors avec lui. Kwa mara moja kaenda na huyu mtu.
Elle rêve qui perd des spermatozoïdes. Anachukua hiyo nani yako. La mort est installée. Ah, hapo kifo kimeonekana. La destruction est installée. Donc hapo uharibifu umeangia. À part le sexe, c'est la masturbation. Kisha hiyo tena wanaita namna gani? Les rapports sexuels, c'est la masturbation. Ponyito. Masturbation. La masturbation nous déshabille spirituellement. Iyo tendo ya ponyeto inatuondoa mavazi kiroho. La masturbation nous devêtit spirituellement. Iyo tendo inatuondoa mavazi ya kiroho. Jeune sœur, jeune frère. Dada, msijana na kaka. Si tu es spécialiste dans ces choses, kama huko mtu anaye kamilika ndani ya hiyo jambo, repentez-vous. Urudilie Bwana. Repentez-vous. Urudilie Bwana utubu. Repentez-vous. Tubu. Parce que là, ça ne te lie pas. Iyo haikushike. Mais ça t'enlève tes vêtements. Ayo inakuondoa mavazi. Beaucoup de gens qui rêvent qui sont nus. Watu wengi wanaoota kama wanakuwa uchi. Si vous regardez aussi dans leur vie physique. Ukaangalia kwa maisha yao ya kimwili. Ce sont déjà amoureux des rapports sexuels. Ni watu wenyewe wanapenda tendo la ndoa sana. Ils ne sont pas mariés. Hawakufunga ndoa. Ils aiment le sexe. Wanapenda tendo la ndoa. Ils ne sont pas mariés. Hawakufunga ndoa. Ils se masturbent. Anachukua hiyo ponyeto, anafanya ponyeto. Victime de ces choses. Quand vous êtes victime de ces choses, kama unakuwa ndani ya jambo kama hiyo, vous laissez la place au diable, vous manipulez spirituellement. Unaachia shetani uwezo aongoze maisha yako. Alors moi j'ai remarqué, niliona kitu kimoja, pendant que je voulais prendre mon ascension, wakati nilitaka kunyanyuka, des chaînes tombaient. Yayo minyororo ikazidi kuanguka. Amen. Amen. OK. Rentrez. Rudi ndugu ufungue kamba. Ilikuwa mfano tu. Amen. Amen. Alors j'ai remarqué que ces chaînes tombèrent. Ah, nikaona hiyo nyororo inaanguka. Mon âme a commencé à prendre l'ascension vers les cieux. Ah, hapo nikaona sasa roho yangu ikazidi kunyanyuka mbinguni. Et quand je prenais la direction du ciel, wakati nilinyanyuka mbinguni, le cantique entonné par les anges, hiyo nyimbo iliyoimbwa huko juu, m'avait détaché de mon corps. Ikaniondoa ndani ya mwili wangu. Et cette cantique avait un tel effet inexplicable. Eh, hiyo nyimbo ilikuwa na uwezo wa ajabu. C'était extraordinaire. Ilikuwa kitu cha kushangaza sana. C'était très puissant. Ilikuwa na uwezo wa ajabu. Et je voyais mon âme prendre l'ascension au ciel. Alikoona mwili wangu roho yangu ikapanda mbinguni. Et pendant que je montais au ciel, wakati nilipopanda mbinguni, je remarquais comme des toiles d'araignée. Nikaona kama buibui. Qui safari me barrer la route. Ilitamania kunifungia njia. Qui safari me barrer la route. Ilitamania kunifungia njia. Ces toiles d'araignée. Hiyo buibui. Mais à cause de l'intonation des chansons des anges, mon âme pouvait avancer jusqu'à eux. Je continuais de monter au ciel. Je continuais de monter. L'étoile d'araignée, en fait, ce sont des malédictions qui se tiennent dans les airs. Hiyo inabaki hapa angani. Qui bloque la prière des saints. Inashika maombi ya Wakristo. Beaucoup de gens prient. Watu wengi wanaomba. Mais leur prière ne monte pas au ciel. Maombi yao hayapande mbinguni. Pourquoi? Parce que le diable. Kwanini? Kwani shetani? A installé des rochers. Aliandalia hata majiwe huko. Des rochers d'opposition. Hiyo aliandalia majiwe ya kupingana. Qui empêche leur prière. Inakataza hiyo maombi zao d'accéder au ciel. Ipande mbinguni. De monter au ciel. Mais j'ai remarqué. Nikaona kitu kimoja. Que mon esprit prenait l'ascension. Nikaona tena roho yangu inapanda tena sana. Cette toile d'araignée ne pouvait rien. Buibui haikufanya lolote kwa ajili ya. J'ai continué à monter au ciel. Nikapanda tena sana. Quand je suis monté. Wakati nilipopanda. Arrivé dans les cosmos. Wakati nilipopanda anga za juu sana. Je vis alors ces anges. Nikakuta hao wa malaika. Ils faisaient la ronde. Walizunguka. Ils chantaient ensemble. Waliimba pamoja. Répétaient les mêmes chansons. Wakarudilia hiyo nyimbo zao. Ils dégageaient une grande lumière. Walitoa nuru kubwa ya ajabu. Que je ne pouvais pas entrer. Na sikuweza kuingia miongoni mwao. Je ne pouvais pas entrer au milieu d'eux. Sikuweza kuingia miongoni mwao.
Mais pendant que je regardais ces anges, wakati niliwatazama hao malaika, les anges là tenaient une trompette et une balance. Walishika kila malaika alishika tarumbeta na kashika mezali. C'était les deux choses qui m'avaient beaucoup captivé. Ni vitu viwili vilioshika dhamiri yangu. Et cela n'est pas seulement de des équipements de figuration. Hiyo mambo si mambo kama kawaida walishika kama kwa kawaida. C'est aussi un moyen de communication. Ni kitu kinao maana fulani. Le Seigneur voulait me parler à travers de cette représentation. Bwana alipenda kunisomesha somo fulani kwa ajili ya hiyo mezali na hiyo tarumbeta. Premièrement, la balance. Kitu cha kwanza hiyo mezali. Job chapitre 31 verset 6. Tutome Ayubu. Ayubu. Job 31 verset 6. Ayubu 31 mstari wa 6. Ayubu 31 mstari wa 6. Shirini nane moja. Tunasoma kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda, nao watakusanya wateule wake toka pepo nne, toka mwisho huu wa mbingu mpaka mwisho huu. Neno la Bwana. Neno la Bwana. Amen. Chaque ange avait une trompette. Kila malaika alikuwa na tarumbeta na mezali. Il prenait cette balance, alichukua hiyo mezali, les déposait sur la terre, akapima kuichia udongo, et le ramenait vers eux-mêmes. Akayarudisha tena kwa wao. Quand ils chantaient leur cantique, wakati walipoimba hiyo nyimbo zao, ils déposaient la balance sur la terre. Wakati hiyo nani mezali kwa duniani, ils étaient en train de mesurer, walikuwa napima l'intégrité, ukweli, et l'iniquité sur la terre. Iniquité. Maovu inaotawala duniani. L'iniquité sur la terre. Maovu inaotawala duniani. Et la trompette tenait par les anges. Na hiyo tarumbete iliyoshikwa na malaika. C'était des trompettes éclair. Ilikuwa tarumbete inonga. Servait à l'avertissement de l'église. Ilikuja kwa ajili ya kuambia wanadamu ya kwamba. Cette trompette c'est le message. Ilikuwa ujumbe. Ils ont apporté un message. Walileta ujumbe. Par le son de la trompette. Kwa hiyo sauti ya tarumbeta. C'était un message de l'interpellation. Hii ujumbe wa kusisimua wanadamu. Qui ramène la conscience. Kwa kuzurudisha tena watu. Qui ramène la conscience de l'homme. Harudisha tena mtu ndani ya zamiri. Un message d'interpellation. Ni hiyo ujumbe wa kusisimua. Rappelons aux habitants de la terre que le temps est fini. Kuarifu wanadamu ya kwamba muda umekwisha. Il dégageait une forte lumière. Na walitoa nuru kubwa sana. Et une force d'attraction auquel on ne pouvait pas résister. Na uwezo mmoja mtu hata mmoja alikupasha kubaki karibu. Personne ne pouvait résister. Hata mtu mmoja kuweza kubaki karibu. Il continuait à danser. Walizidi kucheza. Ils formèrent un cercle et sonnèrent la trompette. Walizidi kuzunguka na wakapiga tarumbeta. Chacun à tour de rôle. Na kila mmoja kwa muda wake. Mais l'un des anges. Mmoja kati ya malaika. Parce que moi j'étais dans l'observation. Mimi nilikuwa nikawatazama. Il se retira du groupe. Akajiondoa kwa hiyo kigundi. Et se dirigea vers moi. Akakuja karibu nami. Quand il se dirigea vers moi. Wakati alinikaribia. Il me dit. Akaniarifu. Viens. Asa ku. Njo. Entre dans cette cercle. Ingia ndani ya mzunguko huo. Entre dans le cercle. Njo, ingia ndani ya mzunguko huo. Je ne parvenais pas. Ah, sikuweza kuyafanya. Puisqu'il soufflait fortement. Kwani walikuwa na uwepo kubwa sana, usikuwa na nguvu za kuingia ndani mwao. Ses anges avaient des yeux partout. Walikuwa na macho mahali pote. J'étais en train de regarder. Nilizidi kuwatazama. Il continuait à me dire encore. Walizidi kuniarifu hivi. Viens, entre dans les cercles. Njo, ingia ndani ya hiyo. Mais je n'arrivais pas toujours. Sikuweza kuingia ndani mwao. Après, il m'a dit ceci. Kisha kaniarifu tena. Ce que tu vois, annonce-le à l'épouse du Seigneur. Mambo yo unayoona, arifu kwa bibi harusi wa Bwana. Il ajouta. Akaongeza. Il m'a été mandaté de te le dire. Walitupatia hiyo mamlaka ya kukuarifu. D'aller informer le frère du Seigneur. Warifu wanadamu wa ndugu wa Bwana. Que le temps touche à sa fin. Kwani muda umekwisha.
Et ma mission est de t'expliquer le mystère de tout ce que tu verras. Parce que moi j'étais en train de regarder. Et les autres là étaient en train de danser. Ils avaient des yeux partout. Ils sonnaient les trompettes. Ils dansaient. Ils chantaient. Oh, l'église dort encore. Le temps touche à sa fin. Et l'autre a insisté encore. Il me dit, tu vois la turbine là? Dans la porte que tu nous avais sortie. Cette porte-là, au ciel, elle est dans le nombre de 32. Elle est au nombre de 32. Elle me dit, la porte que tu nous avais sortie. Appelle ça la porte du messager. Il me dit encore, au ciel il y a des portes. Quand Dieu promet une personne qu'il va te bénir, il insiste encore, je vais te révéler le mystère de chacun d'entre eux. Celle par laquelle tu nous avais sorti s'appelle l'église des messagers. Lorsqu'un ange vient en mission sur la terre, où un messager doit naître, Dieu le fait sortir par l'une de ces ouvertures. Même quand une personne est bénie sur la terre, c'est que Dieu lui a ouvert les portes du ciel. Mais il me dit, dans toutes choses que l'Éternel peut vous donner, Dieu a ses principes. Les principes sont établis. Si une personne veut obtenir, vivre la gloire de Dieu dans sa vie, quelqu'un veut vivre la bénédiction de Dieu, veut avoir une vie prospère, et il doit impérativement respecter les principes de Dieu. Premièrement, Dieu agit dans son temps. Toute personne qui veut voir la main de Dieu doit savoir que Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Dieu n'est pas un Dieu des gens qui pressent. Dieu agit dans le temps. L'empressement de l'homme n'influence pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi l'Église doit enseigner la patience aux fidèles. Car Dieu a trois façons, il nous répond. Dieu a trois façons de répondre à ta prière. Quand tu pries à Dieu, la première réponse que Dieu nous donne, c'est attends. Ngoja. La première réponse de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, même si elle tarde, chaque fois que tu pries, sache-le bien que Dieu te répond. La première réponse de Dieu, c'est attends. Notre Dieu est le Dieu de la patience. Dieu ne te donnera rien sans pour autant que tu atteignes la maturité de conserver ce que Dieu t'a donné. Chaque fois que Dieu te donne une chose, c'est que tu ne connais pas sa souffrance, tu ne sauras pas comment la protéger. Tu dois souffrir pour une chose. Quand tu obtiens la chose, tu vas la protéger. Regarde dans ta vie, tu n'as jamais touché 30 millions. Un matin tu te réveilles, quelqu'un prend 30 millions, il te donne. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas finir le concert des diamants, platinum, diamond. Diamond platinum. C'est ça. Comment? Isabelle, comment? Oh, anaitwa namna gani? Huyo mwanamuziki.
Ah, Diamond Mountain. Diamond. Ah, Diamond. Tu finiras par ces conseils. Utaishia maisha yako yote unaenda kufuata tu hiyo. Après tu finiras par des nourritures. Utaishia tena kwa chakula tu. Après tu vas acheter les vêtements. Utanunua mavazi. Pourquoi? Parce que le prix de cet argent là. Kwani hiyo bei ya hiyo hela? Tu ne connais pas. Au yatambue. C'est pourquoi Dieu kwa hiyo Mungu avant de te donner quelque chose. Kabla ya kukupa kitu fulani. Il commence d'abord par une formation. Anazidi tena kukutengeneza. Dieu n'est pas pressé de te servir la nourriture. Bwana si mtu akuya mbio kukupatia chakula. Dieu lave d'abord l'assiette. Bwana anatayarisha kwanza hiyo kibakuli kinato kupatia chakula. Parce que si l'assiette n'est pas propre. Kama hiyo sahani haiko safi. Peu importe la nourriture. Inabidi hata chakula kwa nzuri. On ne mangera pas. Hautakula hiyo chakula iko vile mama. Dieu te prépare d'abord. Bwana anakutengeneza kwanza. Chaque fois que tu n'obtiens pas. Ah, kama hujapata kitu. Sache bien que Dieu te prépare. Jua ya kwamba Bwana anakutengeneza. Dieu écoute tes prières. Bwana anasikia ombi zako. Dieu attend tes déclarations. Bwana anasikia maombi yako. Mais le problème de Dieu c'est attends. Bwana anakuambia subiri. Chaque fois que Dieu ne te donne pas ce que tu espères là. Wakati Bwana hayakupana hiyo kile unaomba. Retenez ce principe. Sika hiyo habari. Il n'a pas encore fini son travail en toi. Hajamaliza hiyo habari ndani mwako. Le monde travaille les biens. Dunia inatengeneza vitu. Les hommes courent après les biens. Watu wanakimbia nyuma ya vitu vya dunia. Dieu court après les caractères. Mungu anakimbilia kwa tabia zetu. Les hommes cherchent le matériel. Watu wanatafuta vitu vya dunia. Dieu cherche l'être. Mungu anatafuta nafsi yako. Avant que Dieu conjugue les verbes avoir. Kabla Mungu ayasema neno ya kupata. Dans la vie d'une personne. Kwa maisha ya mtu. Dieu conjugue d'abord la vie, le verbe être. Anasema kwanza hiyo jambo la niwe. Il y a des gloires si on te donne aujourd'hui. Kuna vitu wanaweza kupatia leo. Tu ne seras pas à mesure. Hautakuwa na mamlaka. C'est pourquoi tu vois une personne acheter une voiture. Ukaona mtu anonoa gari. Il commence comme ça. Anatembea na vimba. Ne respecte personne. Aheshimie tena mtu wote. Niko na hela mimi. Moi j'ai de l'argent. Niko na hela mimi. Je suis une personne bénie. Niko mtu amebarikiwa sana. Oh, tout l'argent qu'il possède. Ila yote anakuwa nayo. Il y a quelqu'un quelque part. Kuna mtu fulani pahali fulani mahali eneo fulani. Toi tu es plus riche que Bill Gates. Wewe una hela kupita Bill Gates. Tu es plus riche que Steve Jobs. Unapita huyo Steve Jobs. Tu es plus riche que Mark Zuckerberg. Si c'est qui encore le nom m'échappe. Una hela kupita huyo mtu anayesema hapo. Mark Zuckerberg. Tu es plus riche que lui. Unampita hela. Mais regardez ces hommes là. Angalia hao watu. Peu importe la possession. Yo mali wanayo. Ce sont des hommes simples. Ni watu wanaokuwa watu wa wanapitia sana. Il suffit d'acheter une voiture. Et si wakati unanunua gari fulani. Unatembea hivyo. Je suis une personne bénie de Dieu. Niko mtu anabarikiwa sana. Dieu travaille d'abord l'homme. Mungu anatumika kwanza mtu. Chaque fois que tu n'obtiens pas. Wakati haujapata. C'est que en toi Dieu n'a pas fini la formation. Inamaanisha ya kwamba ndani mwako kuna vitu vinatengenezwa. Ne fuis pas la formation de Dieu. Acha Bwana atengeneze ndani mwako. C'est ça l'école de Dieu. Ni hiyo shule la Bwana. Église, ne fuis pas la formation. Kanisa usikimbie. Dieu a des choses à faire encore avec toi. Bwana ana haja ya kutengeneza vitu vingi ndani mwako. Tu n'es pas encore prêt pour obtenir. Haujakuwa tayari ya kupokea hiyo vitu. Reste dans l'école de Dieu. Abaki hapa shuleni mwa Bwana. Le problème de Dieu n'est pas les années qui passent. Bwana sio miaka inayopita. Mais le problème de Dieu c'est la transformation de l'homme. Hiyo Bwana anazidi tena kusubiri kwa ajili ubadilike. Dieu finit son travail. Wakati tamaliza kazi zake. Il a attendu 25 ans pour bénir Abraham. Alisubiri miaka 25 kwa kupata Abraham. Na hiyo maisha Abraham sera en mesure de protéger Isaac. Akajua ya kwamba kisha hiyo miaka. Il aura 100 ans. Akakuwa na miaka hiyo. Il fait toute chose bonne à son temps. Bwana anafanya kila kitu kwa muda wake. Respectez le temps de Dieu. Heshimu wakati wa Bwana. L'ange me dit. Malaika akaniarifu. L'église doit respecter les principes. Kanisa inapaswa kuheshimia kanuni. Premier principe c'est le temps. Kanuni la kwanza ni wakati. Savoir respecter les temps. Kuheshimia kanuni wakati. Ecclésiaste chapitre 3 verset 3. Ecclésiaste chapitre 3 verset 1. Ecclésiaste. Mahubiri. Mahubiri asante. Mahubiri. 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 Moja. Ecclésiaste. Tatu. 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 Mustari. Tatu na moja. Mustari wangapi? Ni verse 7.
Mstari wa kwanza. Mhubiri. Mhubiri 3 mstari wa kwanza. Kwa kila jambo amene. Kuna mashiri majira yake. Amen. Na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Haleluya! Haleluya, haleluya. Haleluya. Hapa ni uwepo wa Kiswahili sasa. Bwana atubariki sana. Ah, Dieu est grand. Bwana ni mkubwa sana. La Bible l'ange me dit le premier principe de Dieu c'est le temps. Bwana wa malaika kaniambia kitu cha kwanza kwa Mungu ni wakati. L'église laisse Dieu finir son travail en toi. Kanisa acheni Bwana amalize kazi zake. Ne soyez pas pressés. Tusiende na speed nyingi. Dieu vous donnera Saul à la place de David. Bwana atakupatia Saulu mahali ya Daudi. Laisse Dieu agir selon son temps. Acha Bwana atembee kufuatana kulingana na muda wake. L'ange continue de m'expliquer. Na huyu malaika zidi kuniarifu. Premier principe c'est le temps. Jambo la kwanza lilikuwa muda. Deuxième principe de Dieu c'est sa souveraineté. Oyo jambo la pili mchungaji souveraineté. La souveraineté. Uungu wake. C'est la souveraineté. Uungu wake, uungu wa Mungu. Quand Dieu prend la décision d'agir dans la vie d'une personne. Wakati Mungu anakamata desturi ya kubariki mtu fulani. Cela ne dépend ni de la volonté de l'homme. Hiyo haiambatani na mapenzi ya mwanadamu. Ni de la volonté de la chair et le sang. Hata mapenzi ya damu na mwili. Il dit encore c'est le principe de l'alliance. Kuna jambo lingine ni jambo la agano. C'est aussi le principe maintenant de la marche. Na jambo lingine. Beaucoup des enfants de Dieu ne vivent pas la main de Dieu. Watoto wengi wa Mungu hawaishi mkono wa Mungu. Parce que leur conduite n'est pas parfaite devant Dieu. Namna yao ya kutembea si vizuri mbele ya macho ya Bwana. Ephésiens chapitre 4 verset 1. Wa Efeso 4 mstari wa kwanza. Ephésiens 4 verset 1. Verset 14, verset 17 pardon. Verset 17. Sura 10 mstari wa 17. Ephésiens chapitre 4 verset 17. 17. Basi masema neno hili tena nashuhudia. Nashuhudia katika Bwana. Tangu sasa msinende kama mataifa waendavyo. Haleluya. Basi nasema neno hili tena tushuhudia katika Bwana. Tangu sasa msiende kama mataifa waendavyo katika ubatili wa nia zao neno la Bwana. Voilà, voici comment on déclare dans le Seigneur. Sikiliza namna wanasema kwa Bwana. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Haustahili tena kutembea kama mpagani. Quand tu attends une promesse de la part de Dieu. Wakati unasubiri hiyo ahadi ya Bwana. La première résultat kitu cha kwanza c'est de ne plus te conduire comme un païen. Usitembee tena kama mpagano. Tu dois changer ta conduite. Unapaswa ubadilishe maisha namna ya kweli. Le principe de la parole de Dieu. Unaheshimia kanuni za neno la Bwana. Si tu ne le fais pas. Kama uyafanye. Notre conduite. Hiyo mwenendo wetu. Influence aussi la gloire de Dieu. Inakuwa na uwezo juu ya utukufu wa Bwana. Plusieurs personnes ne sont pas bénies. Watu wengi hawabarikiwe. Parce que leur conduite n'est pas exacte devant Dieu. Kwani mwenendo wao haukamiliki mbele ya Bwana. Il me dit encore. Akasema tena. Il me dit pour que l'homme voit la main de Dieu dans sa vie. Kwa mtu aone tena mkono wa Bwana maishani mwake. Si une personne veut voir la main de Dieu. Kama mtu anapenda kuona mkono wa Bwana kwa maisha yake. Tu attends les enfants. Unangoja watoto. Tu attends l'élévation. Unangoja kunyanyuka. Tu attends la gloire. Unangoja utukufu. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu. Sijui kama neno gani unaongo. L'ange me dit encore. Malaika kamwarifu. C'est le principe des offres. Ikamwarifu. Offrande. Ani nani ya kutoa? Le principe des offrandes. Ni neno la kutoa, utoaji. Genèse chapitre 9 le verset Genèse chapitre 8 le verset 22. Mwanzo 8:22. Mwanzo 8:22. Non, commencez par Hapana tuanze. Attendez. Tusubiri kidogo.
Voilà, Genèse chapitre 8, le verset 22. Hapo, tunabaki hapo tu. Mwanzo, nane, msari wa 22. Lisez pas ça. Tunasoma neno la Bwana. Muda nchi idumupo, majira ya kupanda na mavuno, wakati wa baridi na wakati wa hari, wakati wa kaskazi na wakati wa kusi, mchana na usiku, avita koma neno la Bwana. Voilà. Tant que le ciel et la terre ne passera pas. Wakati mbingu na inchi tabaki. La loi de la semaille et de la semence ne passera pas aussi. Kwa hiyo kupana na kufuna haitapita kamwe. Quand une personne veut voir la main de Dieu. Kama mtu anapenda kuona uwepo wa Bwana, mkono wa Bwana. Il doit offrir à Dieu. Inabidi atoele atoe Bwana. À faire des offrandes. Zidi kufa kwa matoleo. Ah non, je veux que Dieu me donne des enfants. Tu fais une offrande. Unaleta sadaka. Non, Seigneur, je fais mon offrande. Non, j'ai un problème de travail. Je fais l'offrande. Les offrandes sadaka sont des lois de Dieu. Ni sheria za Mungu. En fait, les offrandes sadaka sont des jugements de Dieu pour nos problèmes. Ni hukumu wa Mungu kwa ajili ya jambo zetu, maneno letu. Les satanistes. Hao watu ulimwengu wachawi. Ne jouent pas avec les sacrifices. Hawachezi na hiyo sadaka. Ne jouent pas. Hawachezi. Je vais vous expliquer. Nitawafasiria. Quand une personne part consulter un féticheur. Wakati mtu anaenda kuona huyo mganga wa kienyeji. Two boys coming. Ah, ndugu cho, njoo. Two boys. Wawili. Okay. Le frère ici. Ndugu hapa. Il a fini ses études universitaires. Alimaliza chuo kikuu. Il a cherché du travail sans trouver. Akatafuta kazi hakupata. Il rencontre un homme. Akakutana na mtu fulani. Maintenant toi tu vas illustrer. Wewe utasema. Tu vas dire je connais les formations qui sont là-bas. Ils peuvent te donner beaucoup d'argent. Kuna waambia huyu kuna wachawi wanaopatikana huko watakupa hela nyingi. Alors prends, fais. Frimaçon. Ben les sons, va vous dire. Ah. Yeah. Ok. Comme on attaque à Pesa. Wapo waganga, on a eu à kukupatia hela. On a eu à Frimaçon. Kota yeri kupata hela izo. Ah, say, ah, ok. Sawa. Ah, let's go. 20. Ok. Sawa. Directement. Maramoja, il a cherché du travail sans avoir. Alitafuta kazi bila kuyapata. Il décide de trouver un occupant. Lui, son ami le conseille d'aller voir un féticheur. Ah, akamwarifu ya kwenda kutafuta mganga wa kienyeji. Tous deux partis. Wote wawili na wanaenda huko. Ils arrivent chez le féticheur. Wakafika huko kwa mganga wa kienyeji. Ils trouvent une femme. Wakakuta mke mmoja. One girl is come. Ah, dada moja acho njo. One girl. Bon, nous illustrons cette femme comme étant la femme. Tunapenda kusema dada huyo kama ni huyo mke. Na huyo mganga wa kienyeji. Monte ici. Oh, pande huko. Alors, les deux sont venus. Ah, wawili wamekuja. Maintenant toi tu vas dire, maman, c'est moi qui ai amené mon ami ici. Il veut trouver le travail, il veut l'argent dans sa vie. Ya, rafiki yangu huyu hapa kaja kwako anataka apate pesa. Ah. Maintenant vous allez dire ah bon mon fils tu veux avoir beaucoup d'argent. Moi j'ai de pouvoir, je vais te donner, tu auras le travail, tu auras beaucoup d'argent. Mimi na uwezo wa kukupatia hiyo hela na utakuwa na kazi na kila kitu unachokitaka. Ah. Maintenant tu vas dire bon, si tu veux avoir cela, sacrifie ta mère. Elle. Kama unataka hivyo vitu utoe mamako mzazi. Si tu me donnes ta mère, utamtolea mamako mzazi. Tu auras de l'argent. Utapata hela. Tu auras le travail. Utapata ta kazi. Maintenant lui va accepter. Ndio nitafanya hivyo. Ndio.
Je donne ma mère. Nitamtoa mama angu. Directement. Hapo hapo. On fait. La féticheur dit, donne le nom de ta maman. Ah, mganga wa kinyaji anasema, sasa leta jina ya mama wako. Leta jina la mama wako. Ah. Leta jina mama wako. Yes. Yes, yes. Ndiyo mama angu. Ale. Anaitwa Jennifer. Ah, donne seulement le nom d'une femme qui viendra. Imagine. Kitu kinye kisio kwa kia. Mama angu anaitwa Jenny. Ilikuwa? Anasema Samuel Sapele. Jenny. Jenny. Ale. Jenny coming. Jenny coming. Ah. Mama Jenny. Mama Jenny. Sera donné au sacrifice. Atatolewa kama sadaka. Maintenant, sa mère va mourir. Mama mzazi atafariki. Quand sa mère est décédée, wakati mama amefariki, qu'est-ce qui va se passer? Kitu gani tafanyika? Dans le monde satanique. Kwa ulimwengu wa giza. Le diable sait. Shetani anajua. Il est écrit, prenons la Bible. Imeandikwa, tusome Biblia. Ezekiel. Ezekiel. Ezekiel chapitre 13. Ezekiel sura 13 verset 19. Musara 19. Lisez le passage. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Nanyi mumeninajisi katikati ya watu wangu kwa ajili ya makonzi ya shairi na vipande vya mkate ili kuzuia roho za watu ambao haipasi kufa na kuzifadhi hai roho za watu ambao itakapasa kuwa hai kwa kuambia uongo watu wangu wasikilizao uongo neno la Bwana. Voilà, vous voyez ce que la Bible dit. Sikiliza hiyo neno la Bwana linalosema. Je dis vous les hommes. Sasa sisi wanadamu. Vous tuez les âmes qui ne devaient pas mourir. Là, ce n'est pas Dieu qui tue ces gens-là. Mais les hommes tuent les gens qui ne doivent pas mourir. Ils laissent vivre ceux qui devaient mourir. Maintenant, quand la mère est sacrifiée, wakati huyu mama ametolewa, son esprit part dans le deuxième monde. Hiyo roho zake inaenda kwa hiyo ulimwengu wa giza. Mama, ulimwengu wa pili. Touch me. Shika mkono nabii. Son esprit. Roho yake. Ici la famille pleure, maman est décédée. Hapo familia inazidi kulia kwa ajili mama amefariki. Son esprit part dans le deuxième monde. Hiyo roho yake inaenda kwa ulimwengu wa pili. Il part faire quoi? Anaenda kufanya nini huko? Chercher l'étoile de son enfant. Anaenda kutafuta nyumba ya mtoto wake. Il dit j'ai été tué pour mon enfant. Niliua kwa ajili ya mtoto wangu. Il commence à travailler ici. Anaanza kutumika hapo. Dans le deuxième monde. Kwa hiyo ulimwengu wa pili. Elle devient esclave. Anakuwa mtumwa. La Bible dit vous tuez les gens qui ne devaient pas mourir. Biblia inasema unaua watu wasio kamilika kufa. Okinama. Na inaonekana nafsi hata moja haiwezi kurithi ufalme wa mbingu kabla hajakueneza siku zake duniani. Hasa sasa huyu mtu pour Dieu ils ne sont pas morts. Hawa watu hawafariki. L'ange de la mort ne peut pas les prendre. Hawa malaika wa kifo hawawezi kuwachukua. Il est dans le deuxième monde. Anapatikana kwa ulimwengu wa pili. Il commence à faire l'argent. Anaanza kutumika hela. Et ici dans le monde matériel. Na kwa ulimwengu wa kimwili. Le frère reçoit le travail. Hapa sasa ndugu hapo anapata kazi. Anapata hela nyingi. Sa maman là-bas elle est esclave. Mama huko mama mzazi anatumika kama mtumwa. Anampiga. On la maltraite. Wanamfanya vitendo vibaya. Elle continue de travailler. Anazidi kutumika. Jour et nuit. Usiku na mchana. L'enfant a de l'argent. Huku mtoto anakuwa na hela. Le jour où mama. Usiku hiyo mama. Va achever ses jours. Atamaliza siku zake. Que Dieu a tracé pour lui sur la terre. Mungu aliandalia kwa maisha yake hapa duniani. C'est le jour où le contrat de son fils finira. Hapo sasa hiyo jambo ya hela itaisha kwa huyo bwana. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce kuna mtu anayenielewa? Donc si dans le deuxième monde. Kwa hiyo ulimwengu wa pili. La maman qui était tuée. Huyu mama aliyouwa. Son travail.
Anatumika. Sa vie n'est restée que 25 ans par exemple. Alibaki na miaka 25. La féticheuse ici. Hiyo mganga wa kinyeji. Dia à son fils. Anasema na mtoto wake. Je te donne l'argent. Nitakupatia hela. Je te donne le travail. Nitakupatia kazi. Mais tu régneras que 25 ans. Ah, utabaki muda wa miaka 15. Na hiyo miaka 25. C'est le nombre des années. Ni miaka huyu mama. Qui est resté à sa mère. Ilibaki kwa ajili ya mama huyo. Est-ce que vous avez compris? Unanielewa? Donc avant que la maman soit tuée. Kabla mama huyo hajafariki. Comme je suis ici. Kama ninapatikana hapo. Il n'y a que Dieu. Kuna Mungu tu. Les sorciers. Wachawi. Les magiciens. Wa Freemason. Les démons. Wa mapepo. Qui sont capables. Wanakuwa na hiyo uwezo. Savoir les années de l'existence de l'homme sur la terre. Wanaotambua miaka inayobaki kwa kila mtu hapa duniani. Un sorcier peut te regarder. Hata mchawi anaweza kukutazama. Ce monsieur va vivre, il lui reste 30 ans de vie. Huyu mtu anabaki na miaka 30 ya maisha. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Asa kuna mtu ananielewa? Quelqu'un m'a compris? Kuna mtu ananielewa? Maintenant, sasa le délai de règne que le féticheur donne. Hiyo muda wa kuwa na mali kwa waliompatia huyo ndugu. Il obtient ici. Anaipata kwa ajili ya mama yake. Il dit ta mère, il sait que sa maman va il lui restait 25 ans de vie. Alijua kwamba mama yake walimwacha tu miaka 25. Il vient ici te dit bon. Anakuambia hapo sasa. Moi je suis prêt à te donner de l'argent. Mimi ni tayari kukutolea hela. Maintenant il regarde la vie du frère. Anaangalia maisha ya huyo ndugu. Il voit la vie du frère. Anaangalia maisha ya huyo ndugu. Que le frère lui restait 70 ans encore. Anaona sasa huyo ndugu anabaki miaka ngapi bwana mchungaji? 70. Sabini ya kuishi. Il dit bon moi je vole les 70 ans de sa vie. Anasema mimi nachukua hiyo miaka ya huyo mtu. Il prend les 70 ans là. Anaiba hiyo miaka Sabini. Bon, moi, tu vas régner pendant 25 ans, après tu vas mourir, tu iras travailler pour nous. Ah, na sasa utaishi na kuwa na utukufu kubwa, muda miaka 25, sasa utaenda kutumika kabla. Il vient ici, il prend les 25 ans de ta mère. Anakamata hiyo miaka ya mama mzazi. Il te donne. Anakupa wewe. 25 ans de règne. Unaishi miaka 25. Il a récupéré combien, hein? Anakuchukua miaka ngapi? 70. Lui, il a récupéré combien? Kufanya, kupunguza, kwa 70. Kuondoa hiyo 25 ni ngapi? Ni miaka ngapi? Aha, 45, asante. Anachukua 45. 45, il a récupéré 45. Il a récupéré. Amen. Toi tu régneras pendant 25 ans. Wewe utazidi kuwa mtu wa ajabu miaka 25. Dans les 25 ans là tu as beaucoup d'argent. Kwa hiyo miaka 25 unakuwa na hela nyingi sana. Mais après 25 ans, kisha hiyo miaka kisha miaka 25 unafariki. S'il trouve que la maman que tu dois sacrifier. Kama naona ya kwamba huyo mama uliyomtoa kama sadaka. Il ne restait que 10 ans. Et alibaki tu na miaka 10. Il dit je te donne l'argent. Nitakupa hela. Mais pour 10 ans. Kwa miaka hiyo 10. 10 years. Ah unasemaje? 10 years. 10 ans. Et toi tu dis ah. Miaka 10. J'ai 10 ans de règne. Miaka 10 ya kuishi upako mambo mengi mzuri. La puissance du sacrifice. Unaona sasa hiyo uwezo inaokuwa ndani ya sadaka. Le sacrifice est capable de faire maintenant ce que son effort n'a pas pu faire. Sadaka inaweza fanya kitu kenye wewe mwanadamu hauwezi kukifanya. L'intelligence était incapable. Hata akili ya wanadamu haikuwa na mamlaka. Ile sadaka a rendu possible pour les sorciers. Aika pana uwezo kwa huyo mchawi. Mais pour nous les enfants de Dieu. Kwa sisi watoto wa Mungu. Murudi, asante. Mubarikiwe. Mais pour nous les enfants de Dieu. Kwa sisi watoto wa Mungu. Les offrandes. Sadaka. Que nous donnons à l'église. Tunaotoa kwa kanisa. Sont des jugements que Dieu prononce sur nos problèmes. Ni hukumu inaoandaliwa kwa ajili ya jambo lolote tunalo. Les offrandes sont la clé des solutions. Aya sadaka ni funguo ya masurulisho zetu. Si tu veux avoir une vie fulgurante. Kama unapenda uwe na maisha inayokuwa inanyanyuka. Si tu veux vivre dans des percées. Kama unaenda uingie tena mbali sana. Si tu veux palper les promesses de Dieu. Kama unapenda ushike ahadi za Bwana. Sois un sacrificateur. Uwe mtu wa utoaji wa ajabu. Il a dit dans la Bible. Ndio kwa maana alisema kwa Biblia. Je pense Apocalypse chapitre 5 verset 10. Anasema kwa Ufunuo Apocalypse 5 verset 10. 5. Il a fédé un royaume de sacrificateurs. Ufunuo 5:10.
Tunasoma kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ukafanya kuwa ufalme na makuani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi neno la Bwana. Donc écoutez-moi bien aimé. Dans la chrétienté, hapo kwa ndani ya Kikristo, si tu veux avoir des percées, kama unapenda uendelee mbali sana, la première chose, kitu cha kwanza, applique le principe de l'offrande. Ti hiyo amri ya sadaka. En effet, les offrandes, hiyo masadaka, sont pour des gens qui ont atteint la maturité. Sadaka ni watu walio kiwa kiango ki ya juu sana. C'est eux qui connaissent ce secret là. Ni wao wanaojua hiyo siri. C'est eux qui savent le principe là de donner. Ni wao wanaojua hiyo siri ya kutoa. Si tu veux aller loin. Kama unapenda uende mbali sana. Si tu veux aller loin. Kama unapenda uende mbali sana. Vous savez moi. Unajua mimi. Quand j'ai commencé la prophétie. Wakati nilianza hiyo unabii. Avant même que je commence la prophétie. Kabla sijaanza hiyo jambo. Il y avait un prophète qui venait chez nous. Kulikuwa nabii mmoja alikuja huku kwetu. Une fois il est venu me voir. Alikuja kuniona. Je n'avais qu'un chemise. Nilikuwa na shati moja. Nilikuwa na shati moja. Un pantalon. Na suruali moja. Je pris cela. Nikachukua hiyo. Nikamtolea huyo mtu. Il a prié pour moi. Akaniombea. Et chaque fois. Na mara ma femme est là. Mke wangu yuko hapo. Chaque fois qu'on veut voir quelque chose. Na wakati unapenda kuona kitu fulani. Dans notre couple. Ndani ya ndoa yetu, nous, sisi, on fait des offrandes. Tunatoa sadaka. C'est la loi de notre maison. Ni hiyo sheria ya nyumba zetu. Chaque fois on demande quelque chose à Dieu. Wakati tunaomba Mungu kitu fulani, on fait l'offrande. Tunatoa sadaka. On prend quelque chose. Tunatoa kitu fulani. On pardonne à Dieu. Tunaenda kutoa hiyo sadaka. J'ai prié beaucoup. Niliomba sana. Pour une dimension prophétique. Kwa hiyo kiwango cha kiroho ya kunyanyuka. Malgré les prières. Ijapokuwa nimeomba. Parce que je vais vous dire ceci. Ninataka kuarifu jambo fulani. Dans le principe des dons spirituels. Kwa hiyo jambo ya gharama ya kiroho. Les dons viennent de Dieu. Hiyo wito naota nda kwa Mungu. Mais il y a le moyen à recevoir les dons spirituels. Na kuna namna ya kupokea hiyo karama. On reçoit les dons par l'appel. Tunachukua hiyo karama kwa kuitwa. On reçoit les dons par l'imposition des mains. Na hata kwa kutia mkono. On reçoit aussi les dons par l'aspiration. Hata kwa hiyo kwa kusema kwa wengine. La Bible dit aspirer aux dons. Hata Biblia inasema tuwe na haja. Protéger les dons qui vous ont été donnés par l'imposition des anciens. Anasema tukinge hiyo karama waliotupatia kwa kutia mkono. Donc, il y a trois façons où nous recevons les dons spirituels. Kwa namna ya kupokea hiyo karama. Par l'imposition des mains. Kwa kutia mkono. Par l'aspiration. Kwa hiyo haja tunayo. Par la souveraineté de Dieu. Kwa hiyo uwepo wa Mungu. Mais moi maintenant j'aspire un don. Mimi nilikuwa na haja fulani. Je voulais que mon don de la prophétie commence à opérer d'une autre façon. Nilipenda hiyo unabii wangu uanze kutumika namna nyingine ya kipekee. J'ai invité un prophète. Nikaita hata nabii fulani. Je parlais avec lui. Tukaanza kuzungumza naye. Je suis entré dans ma chambre. Nikaingia chumbani mwangu. C'était pardon au bureau. Ilikuwa huko ofisini mwangu. Nikakokota hiyo nani? Le tiroir de mon bureau. Hiyo mahali naotia vitu vyangu. J'ai sorti de l'argent. Nikatoa hela. Je pris l'offrande. Nikakamata sadaka. Je lui ai remis. Nikampatia. Pendant que je lui remettais l'offrande. Wakati nilimtolea hiyo sadaka. J'ai dit Seigneur. Nikasema Bwana. Je vais être participant de son don. Ninapenda niwe kama yeye. Je lui ai donné l'offrande. Nikamtolea hiyo sadaka. Il était un prophète. Alikuwa nabii. Il a compris mon souhait. Akasikia hiyo haja yangu. Il a prié pour moi. Akaniombea. Si je traverse un moment difficile. Wakati nilipitia muda usiokuwa mzuri. Je fais des offrandes. Nikatoa tena sadaka. Les offrandes. Sadaka. C'est la clé de la victoire. Ni ufunguo ya ushindi. C'est la clé de la victoire. Ni ufunguo ya ushindi. Si tu veux aller loin. Kama unatamania kwenda mbali sana. Le principe des offrandes dans ta vie. Ni hiyo amri ya usadaka. Si tu veux aller loin. Kama unatamani uende mbali sana. Dans les choses de Dieu. Mbele ya Bwana. Applique le principe des offrandes. Ti hiyo amri ya kutii. Principe des offrandes. Ti amri ya kutii. C'est le chemin de Dieu. Hiyo ni njia ya Bwana. Le chemin de la gloire. Hiyo ni njia ya utukufu. Beaucoup de chrétiens. Wa Kristo wengi. Ne savent pas cela. Hawajui hiyo jambo. C'est pour nous dans la sainte doctrine. Hapo sisi ni tuko ndani ya nous n'enseignons pas les offrandes souvent à l'église. Hatufundishe sana mambo ya sadaka. Pourquoi on a peur? Kwa nini tunawoga? Les fidèles vont nous traiter de voleurs. Kwani washirika watatuona tuko wezi. Asema tunatafuta tu hela. Mais je suis très confiant.
Parce que je ne demande pas l'argent chez les gens. Mais quand il faut t'enseigner la vérité, je t'enseigne la vérité. Si tu veux aller loin, applique le principe de l'offrande. L'offrande sadaka attire la gloire de Dieu. Attire le jugement de Dieu sur la terre. C'était les sept clés que l'ange m'a montrées. Si une personne veut vivre la bénédiction, c'est là la première église. C'est l'église de la bénédiction. L'ange continuait de me parler. Malaika kazidi kumzumzia. Il me dit deuxième église. Anasema mlango wa pili. Qui est au ciel? Inapatikana mbinguni. C'est l'église de révélation. Ni hiyo mlango wa ufunuo. L'église de la révélation. Ni mlango wa ufunuo. L'église de la révélation. Mlango wa ufunuo. Si une personne veut être beaucoup révélée par Dieu, kama mtu anatamani Mungu amfunulie sana, si une personne veut que Dieu le révèle des secrets, kama Mungu anatamania sana Mungu amuonyeshe siri nyingi, la première chose, kitu cha kwanza, l'ange m'a dit, malaika kaniarifu, c'est la méditation de la parole de ni Dieu. Ni kusoma Biblia. Tu veux que Dieu te parle? Unapenda Mungu akusemeshe? Tu veux que Dieu te révèle des secrets? Unapenda Mungu akupatie siri fulani? Dans ce monde que nous sommes, ndani ya dunia tunapatikana ndani, nous révélons plus nos secrets à nos confidants. Tunasema hizo siri zetu kwa watu wanaokuwa wa ndani karibu nansi sana. Est-ce que vous le savez? Est-ce unayajua hiyo jambo? Personne ne connaît ma vie plus que ma femme. Hakuna mtu anayejua maisha yangu kama mke wangu. Personne. Hakuna mtu. Je peux être avec ma chambre dans la chambre, ma femme dans la chambre. Niweza kuwa hata chumbani mwangu. On est en train de parler de toi, tu es au salon. Hata watu wanasema kwa ajili yako huku salon. Hata angalia namna gani anaifanya. Anafanya kabisa. Sasa wewe unasema nini kwa hiyo jambo? Mimi na mimi hiyo aliyofanya. Sikukubali. Après tu nous vois sortir avec ma femme? Hata tunatoka tena sisi na yeye. Comment tu vas? Comment tu vas? Unasema unaendeleaje? Ah, nous étions avec maman à l'intérieur. Ah, tulikuwa na mama huko chumbani. On causait seulement. Ah, tulikuwa na zungumza. On parlait de toi. Ah, tulikuwa na zungumza kwa ajili yako. Pourquoi? Kwa nini? C'est ma confidence. Kwani ni mtu kwa mtu wangu wa siri. Ah, kila mara. Que tu veux que Dieu te révèle les choses. Unapenda Mungu akufunulie mambo. Vis dans la méditation de la Bible. Ishi ndani ya kusoma Biblia. Psaume chapitre 1 verset 1. Zaburi wa kwanza mstari wa kwanza. Zaburi wa kwanza mstari wa kwanza. 1 3. Paka 3. Demeure seulement dans la parole. Anasema baki ndani ya neno la Bwana. De grandes révélations. Vitu vikubwa vya kufunuliwa. Ne viens pas à la théologie. Haikuje huko kwa masomo ya teolojia. Tous les pasteurs qui ont marqué l'histoire. Hao watumishi wenyewe walifanya. Tous ceux qui ont enseigné la profondeur de la parole. Watu wenyewe walionyesha vitu vikubwa vikubwa vya neno la Mungu. Ni watu qui passaient des heures walipitisha muda mrefu dans la méditation de la parole. Wakisoma Biblia. Quand tu lis la Bible, kama unasoma Biblia, Dieu te révélera des secrets. Mungu atakufunulia mambo mengi. Dieu te révélera des secrets. Mungu atakufunulia mambo mengi. Demeure dans la méditation. Baki ndani ya kukiri hiyo neno na kusikiliza kusoma hiyo. Unapenda kujua mambo ya maisha yako? Le problème de ta famille? Mambo ya familia yako? Passe le temps la Bible. Baki ndani ya neno la Bwana. N'allez pas chercher un féticheur. Hautatafuta hata wewe mganga wa kinyesi. Le secret de Dieu c'est ici. Bwana analeta siri lake ndani ya neno lake. La méditation de la Bible. Hiyo kusoma neno. C'est la Bible. Soma Biblia. Josué chapitre 1 verset 8. Yoshua moja msari wa 8. Lisez la Bible. Soma Biblia. 8 c'est 9. 9. Shwaili. C'est 8. Alors 9. 10. 10. 10. 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Aleluya, Bwana asifiwe, asifiwe. 11, 12, 13. Aya. Aleluya. Hapo sasa. La méditation de la parole de Dieu. Anasema kusoma neno la Bwana. Si tu lis la Bible. Kama unasoma Biblia. Tu veux connaître les secrets de Dieu. Kama unapenda kujua siri za Bwana. Lis la Bible.
Soma Biblia. Tu veux connaître la volonté de Dieu. Unapenda kujua mapenzi ya Bwana. Lis la Bible. Soma Biblia. Passe ton temps à la lecture. Peteza muda wako hapo ndani ya soma. Passe ton temps à la lecture. Patiza muda wako ndani ya kusoma Biblia. Medite la, medite la, soma Biblia, soma bila kuchoka. Il me dit encore principe. Akaniarifu tena jambo lingine. Si tu veux être une personne de révélation. Kama unapenda mtu wa kuwa mtu wa ufunuo. Je vais vous dire un secret. Ntawarifu siri moja. Quand Dieu m'a appelé. Wakati Mungu ameniita. Il m'a dit tu vas enseigner comme on n'a jamais enseigné. Utafundisha namna mtu hajafundisha. Tu enseigneras des choses que les gens ne connaissent pas. Utafundisha vitu visio watu wasioijua. Donc quand je pars à l'église. Kama mimi naenda kanisani. Si je commence à prêcher. Kama ninaanza kuhubiri. Demande le pasteur. Ah, ulize mchungaji. Vous allez poser la question. Utauliza swali. D'où il prend ces choses? Anapata hiyo vitu wapi? Il le prend où? Anavitoa wapi? Dieu m'a appelé comme ça. Bwana ameniita hivyo. Mais il m'a donné un secret. Akanipatia siri moja. Lis beaucoup la Bible. Soma mara nyingi Biblia. Quand je lis la Bible. Wakati nasoma Biblia. Il me donne parfois cette interprétation. Anaweza akanipatia hata tafsiri saba. L'interprétation commune. Et tafsiri ya watu wote. Il dit si tu peux prêcher comme ça. Kama unaofasiria hivi kwa watu. Là pasteur Sabit va aussi prêcher comme ça. Ah pasteur Sabit atasema hiyo anaulitumia hivi. Pasteur va aussi prêcher comme ça. Alisema tena waliongea hivi. Il me donne deuxième interprétation. Analeta tafsiri ya pili. Il dit ça c'est l'interprétation des docteurs. Hapa ni wao wa docteur. Après troisième. Ya tatu. Quand il m'amène à la septième révélation. Wakati ananifikisha ku hiyo siri ya tatu saba. Anasema hapo ni wewe. Et quand je pars à l'église. Wakati ninapoenda kanisani. Je commence à prêcher. Naanza kuhubiri. Les gens se posent des questions. Watu wanajiswali. Mais d'où il a pris ces choses? Hii vitu anavidondoa wapi? Anatoa wapi? C'est la loi. Ah hiyo ni kutoka kwa sheria. C'est loin point de ta bouche. Hiyo sheria siondoke kinywani mwako. Passez des heures. Ah médite là. Il faut inabidi kuiti. Médite là. Ukirione. Plus je médite la Bible. Anasema kila mara anabaki ndani ya neno. Grande devient une révélation. Anasema ukubwa unakuwa uyo ufunuo. Si une personne veut être une personne de vision. Kama unapenda uwe mtu wa ufunuo. Tu veux être une personne qui prophétise. Kama unapenda kuwa mtu wa unabii. Tu veux prophétiser. Unapenda kuwa kutabiri. Tu veux voir des visions. Unapenda kuona ufunuo. Le secret. Siri. C'est la prière. Ni maombi. Sois une personne qui prie. Uwe mtu wa maombi sana. Qui prie longtemps. Unabaki muda mrefu ndani ya maombi. Prie longtemps. Unabaki muda mrefu. Bien-aimé, wapendwa, que le temps de prière muda wako wa maombi soit plus nombreux iwe mrefu sana que le temps de tes repos iwe mrefu sana kushinda muda wako wa kupumzika. Sois une personne qui prie beaucoup. Uwe mtu anayeomba sana. Écoutez-moi bien. Unisikilize vizuri. Dans le monde spirituel. Kwa ulimwengu wa kiroho. La victoire est déterminée par la capacité de tes informations. Ushindi unatoka unaelekewa kwa mtu anayekuwa na hiyo. Je vais illustrer. Habari nyingi anayokuwa na habari nyingi. Les moins informés n'arrivent nulle part. Watu wanaokuwa na habari ndogo hawaende hawaende hata nafasi. Osée chapitre 4 verset 6. Osea 4 mstari wa 6. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Mon peuple périt par manque de connaissance. Watu wangu wamepotea, wameangamizwa kwa kukosa maarifa. Vous savez dans les choses des esprits ici. Ah kwa mambo ya kiroho hapo. Dans les choses de l'esprit ici. Kwa mambo ya kiroho hapo. Les moins informés. Watu wasio kuwa na taarifa nyingi. N'arrive nulle part. Hawafike hata la nafasi. La souffrance de plusieurs chrétiens. Mateso ya wengi. Est déterminée par l'insuffisance des informations accumulées. Inatokana kwa ajili ya hiyo jambo ndogo wanao tafsiri mingi unao. Come my son. Hai, John, John ndugu. Come aussi my son. Taarifa ndogo. Come too. Yes. Dans le monde spirituel. Kwa ulimwengu wa kiroho. Si le frère ici. Huyo hao wa ndugu hapo. Dans le monde spirituel. Kwa ulimwengu wa kiroho. Si le frère. Kama ndugu hapo. Est à la recherche de cet appareil. Anatafuta hiyo chombo. Et que c'est lui le sorcier qui le tient. Na huyo mchawi ndiye anayachukua. Si il est ici. Kama anapatikana hapo. Il prie.
anaomba. Commence à crier, donne-moi mon appareil, donne-moi mon appareil. Anaanza kuomba, unipatie chombo changu, unipatie chombo changu. Tout esprit qui a pris mon appareil, donne-moi mon appareil. Ah, kila pepo iliyochukua, kila pepo iliyochukua chombo changu irudishie. Kila pepo iliyo. Le cri là c'est la prière. Hiyo kulalamika kwake ni maombi. Commence à prier. Endelea kuomba. Omba. Ombe kitu chako kikurudilie. Le sorcier qui est ici. Huyo mchawi anapatikana hapo. Tant qu'il n'est pas encore identifié. Kabla hajajulikana. Ton bien restera toujours entre ses mains. Hiyo chombo chako kitabaki tu mikononi mwake. C'est la raison que plusieurs gens disent. Ndio kwa maana watu wengi wanasema. J'ai beaucoup prié. Niomba mara nyingi. J'ai jeûné. Nilifunga. Depuis que je suis marié. Hata nikafunga ndoa. J'ai prié pour avoir les enfants. Niaomba kwa ajili nipate watoto. Dieu ne me donne pas toujours. Watu Mungu anipatie watoto. Je suis allé dans des retraites. Nikaenda hata nikajitenga na wengine. Le problème de Dieu c'est quoi? Mambo ya Mungu ni nini? L'adversaire n'est pas encore identifié. Adui wake hajatambulika. Il est écrit dans le livre de Jean chapitre 8 verset 32. Yohane 8 mstari wa 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Utajua kweli na kweli itawaweka huru. Donc tant que tu ne connais pas encore l'auteur. Ah, kabla hujajua mtu anayekuwa adui wako. Tu seras victime. Utabaki hivyo hivyo tu. Tu seras victime. Utabaki hivyo hivyo tu. Jusqu'au jour. Paka siku hiyo. Où Dieu va te révéler. Paka siku hiyo Mungu atakufunulia. L'appareil que tu cherches. Hiyo chombo nao tafuta. Regarde. Ha, tazama. C'est lui qui tazama aliyochukua chombo chako. Et quand toi tu vois. Wakati unapoona. Oh Bwana. C'est ma mère. Ni mama mzazi. Ce qui est l'auteur. Ni mtu anayekuwa ndani ya hiyo jambo. L'actrice de ma situation. Ni alinitia ndani ya jambo hiyo. C'est ma mère. Ni mama mzazi. C'est mon père qui est l'auteur. Ni baba mzazi ndiye alikuwa. C'est mon frère qui est l'auteur. Ni ndugu wangu aliyekuwa ndani ya hiyo jambo. C'est ma mère qui est l'actrice. Ni huyu mtu aliyefanya jambo hiyo. Ce que je vis. Hiyo maisha nayoishi. Je continue à te parler. Anazidi tena kukuzungumzia. Si tu souffres comme ça. Kama unateseka hivyo. C'est lui. Ni yeye. C'est lui. Ni yeye huko. C'est ça vous connaîtrez la vérité. Ni hapo sasa utajua kweli. La vérité vous affranchira. Na kweli itakukomboa. Puisque je connais déjà la personne. Kwani unatambua mtu? Je dirige ma prière vers cette personne. Sasa mimi natia maombi yangu na shika maombi yangu. Je ne contre lui Seigneur. Ah baba sina kitu chochote kwa yeye. Je déclare seulement. Mimi naomba tu. C'est qu'il a pris de ma vie. Vitu vyangu alio. Je le récupère. Ninavinyanganya. Pendant que je tends ma main. Ah nachukua vitu vyangu. Na viondoa. Et quand je récupère. Na kama ninaviondoa. C'est ça la victoire. Na hiyo ushindi. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Si mtu anaokanelewa neno hilo. Si tu veux aller loin avec Dieu, commencez par demander de voir. La révélation est la porte de la gloire. La vie d'église chrétienne n'avance pas. Maisha ya wengi miongoni ya Wakristo haiendelee. Ils ne sont pas suffisamment informés. Kwani hawana taarifa kubwa. Il y a des choses que Dieu t'a donné depuis longtemps. Kuna vitu Mungu alikutolea muda umepita mwingi sana. Voilà, je vais m'arrêter par ce. Hata mimi tabaki nitaachia hapo. Attendez. Subiri kidogo. Nous étions au Burkina Faso. Tulikuwa huko Burkina Faso. Une nuit je dormais. Usiku mmoja nikalala. Je vois dans le ciel. Nikaona mbinguni. Un groupe de démons. Ah, kikundi cha mapepo. Assis. Wanakaa. En train de parler. Wakazungumza. Il disait. Wakazungumza hivi. Vous savez que le prophète Aston. Unajua ya kwamba nabii Aston. Doit organiser un séminaire. Ataandalia hiyo semina. Zion 15. Ayo Zion 15. Sion 15. Sion 15. Sioni 15. Doit organiser un séminaire Sion. Anaandalia semina Sioni 15. Ce séminaire Sayuni, Sayuni. Ce séminaire est déjà sur la terre. Hiyo semina inapatikana ulimwenguni. L'organisation de ce séminaire. Hiyo maandalizi ya hiyo semina. Va lui ouvrir des portes. Itamfungulia milango. Nous devons combattre ce séminaire. Sisi tutapiganisha hiyo semina. Les démons ont commencé à maudire. Wakaanza kusema mambo mabaya kwa ajili ya hiyo semina. Je me suis réveillé. Nikaamka. J'ai dit oh.
Nikasema, moi je dois organiser un séminaire Sion. Mimi nitayarisha Sayuni. Moi je ne savais même pas. Ah, mimi sikujua hata. Quand je commence à prier. Wakati nipoanza omba. Je vois que le séminaire là était déjà descendu du ciel il y a de cela 3 mois. Hata nikaona hiyo seminaire ilishuka mbinguni kulipita hata miezi 3. Mimi n'était pas disposé. Hasa roho yangu haikuwa tayari ya kupokea. Dieu l'avait déjà envoyé. Hata Mungu aliandalia hiyo seminaire. Le diable l'a détecté. Shetani aliona. Beaucoup des enfants de Dieu ici souffrent. Pourquoi? Watoto wengi wa Mungu wanateseka kwa nini? Le ciel t'a déjà donné une chose. Mungu ameandalia amekutolea kitu fulani. La Bible parle des rois des Perses. Biblia inasema kwa huyo mfalme wa Persia. Dieu avait déjà répondu Daniel. Mungu alimjibia huyo Daniel. Mais le roi des Perses avait bloqué la réponse. Hata huyo mfalme akashika hiyo baraka zake. Les hommes ici. Watu wengi hapo. Ils réclament chez Dieu. Wanaomba Bwana. Mais Dieu sur la terre. Mais Bwana hapa kunduni. Dieu avait déjà répondu. Bwana alishawapa majibu. Les réponses sont sur la terre. Majibu zao zinapatikana duniani. Et les gens ont bloqué des réponses. Kuna watu wanaofunga hiyo maombi zao. Puisque tu n'es pas suffisamment informé. Kwa ajili hauko hauna taarifa nzuri. Tu continues de souffrir. Unazidi kuteseka. Il y a des forces sur la terre. Kuna uwepo zao hapa duniani. Ils ont déjà bloqué tes réponses. Walishika hiyo baraka zako. Dieu t'a déjà donné. Mungu amekutolea. C'est pourquoi je dis à une personne. Ninasema kwa mtu mmoja hapo. Chaque fois que tu rêve la possession d'une chose espérée. Wakati umeota kitu umekishika ulikiomba. Tu es à la recherche des enfants par exemple. Unatafuta watoto kwa mfano. Tu rêves la nuit Dieu, tu es avec un bébé. Unaota usiku unashika mtoto. Dieu t'a déjà donné l'enfant. Hapa Bwana amekutolea mtoto. Mais le monde spirituel l'ont bloqué. Ulimwengu wa kigiza umeshika. Tu rêves la nuit. Umeota usiku. Tu te vois rouler dans une voiture. Unaona unatembeza gari. Dieu t'avait déjà donné la voiture. Hapo Bwana amekutolea hiyo gari. Mais la voiture est bloquée. Kwa namna ya kiroho wameshika hiyo gari. Si cela se répète souvent. Kama hiyo jambo inarudi mara kadhaa. Sasa chose ta été déjà donné. Ujue ya kwamba hiyo jambo lio kutolewa kwa Mungu. Sur la terre, na kuna uwezo fulani hapa duniani. Qui ont dit non. Walisema hapana. Tu ne prendras pas la chose. Hautashika hiyo jambo. Lève-toi, nous allons prier. Simama. Contre toutes les esprits. Tutaomba kwa ajili kupinga mapepo zote. Qui empêche tes réponses. Wao wanafunga. Qui bloque ce que Dieu t'a donné. Rentrez, que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Tout esprit qui est à la base. Pepo zote zinaokuwa. Toute puissance. Uwezo wote. Qui bloque les réponses de Dieu dans ta vie. Unaoshika baraka zangu. Shalom, 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 chers tous. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Chers tous, je voulais vous parler de cette fameuse histoire de la chaparcelle de l'église Sacrée Chapelle de Dieu. Notre église fait au moins 3 à 4 ans où il passe des moments très difficiles, de persécution, parce que nous sommes des locataires, nous subissons tellement des oppressions et nous n'arrivons pas à propager le message de l'Éternel comme il faut la propager. Alors, nous avons lancé cette opération 1 dollar. Quelque chose insignifiante pour toi, 1 dollar, 1 euro, 2300 francs congolais, quelque chose insignifiante par rapport à tes ressources. Je sais que tu es tellement béni par Dieu. Dieu est merveillé. Bien aimé, cette contribution de 1 dollar, nous le ferons tous les jours de nos cultes. Nous avons un culte mercredi, nous avons un culte vendredi, nous avons un culte jeudi, ainsi qu'un culte de dimanche. Tous ces cultes-là, nous avons besoin qu'il y ait ton apport de 1 dollar, 1 euro ou 2000 francs congolais. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Je peux acheter une parcelle pour mon Dieu. Que l'Éternel vous bénisse.